Ladies and gentlemen, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme On Air. Ce soir à la maison, nous recevons le comédien et humoriste Fingon Tralala. Bonsoir Mr. Fingon. Désormais le El Pichino Monumento Phenomeno. Voilà, donc appellation très contrôlée. Voilà. Alors Phenomeno, comment tu te portes ce soir? Par la grâce de Dieu, ça va. Du moins, on a la santé, on ne peut que dire Dieu merci. Et là, je suis en forme, tel que vous pouvez le constater, quoi. Certaines personnes nous ont dit que Fingon souffrait de coronavirus. Je ne sais pas si ce sont déjà tous, ce sont eux, c'est ceux-là qui ont pu créer le virus du corona. Ou bien, si par chance, ils ont échappé au virus, parce qu'il y a des gens qui disent des choses qui ne devraient pas. Ouais. C'est une maladie extrêmement dangereuse. Ouais. Et qui a ôté la vie à beaucoup de personnalités. On ne doit pas jouer avec des choses comme ça, quoi. Donc, si on a la chance d'être encore là aujourd'hui, il faut dire Dieu merci parce que cette maladie, réellement, elle existe, quoi. Donc, les gens ne devraient pas jouer avec de telles choses. Ouais. Alors, Fingon, raconte-nous un peu tes débuts dans l'humour. Je n'ai pas appris à faire ce métier. Je suis né pour faire ce métier. Voilà, je ne deviens pas humoriste, je suis né humoriste. Voilà, donc malheureusement, ceux-là qui ont appris à faire ce métier, quand ils viendront ici, ils vont vous dire comment ils ont appris, machin, ceci. Mais moi, je suis né avec le virus de l'humour. Et les débuts se passent comment? Comme dans toute activité. Ça n'a pas été facile. Ça a été extrêmement difficile. Pour dire vrai, je n'étais pas sûr d'en faire mon véritable métier. Parce que vous savez, bien avant, les choses étaient extrêmement difficiles. Et on a toujours considéré, jusqu'ici, ouais. Sauf que ça a légèrement changé. On avait toujours considéré ceux-là qui faisaient ce métier comme des ratés, comme des bénis fous, comme des personnes qui... C'est-à-dire, un métier qu'après ça, c'est le vol. C'est des gens qui n'ont pas d'ambition dans leur vie. Des gens qui n'ont pas d'ambition dans leur vie. Ben, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ils essaient de comprendre, ils comprennent que voilà, ce métier, c'est pas pour des ratés, c'est pour des messies plutôt. Ouais. Voilà, donc malheureusement que si nous étions dans un autre pays, comme au Nigeria, comme au Sénégal, ou au Ghana, pour ne pas dire en Europe, ouais. Ce que vraiment, ce métier devrait réellement nourrir son nom. Fingon Tralala, dans tes débuts, on te voit avec Tania Condom. Ce ne sont pas mes débuts. Ouais. Ce sont mes débuts à la télé. Wow. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai réalisé beaucoup d'albums audio parce qu'il n'y avait pas encore de télévision privée. Donc, quand la télévision privée est entrée au Cameroun, et voilà, Tani déjà qui était pas un ami, mon frère, le fait que nous soyons déjà ensemble, on a donc dit, ok, pourquoi ne pas mettre un concept sur pied et lancer, voir ce que ça peut donner. C'est comme ça que le One to One est venu. Dieu merci, les choses sont très bien passées. Voilà. Le One to One a évolué et après Tania et Fingon sont devenus ce qu'on a vu à la télévision, notamment sur une chaîne Canal 2, on va la citer. On a vu ce que vous êtes devenus et après on a eu le Quattro du Rire. Ce que je vais vous dire, c'est ce pays ne fait rien pour préserver ou bien protéger des icônes. Ouais. Ici, on s'en fout. On s'en fout de tout. Quel qu'en soit ce que vous faites, que vous soyez meilleur ou quoi, on s'en fout. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de... Donc, si j'en suis là jusqu'ici, il faut dire Dieu merci parce qu'il y en a plein qui ont changé de métier, ouais. Qui se sont découragés et tout. Je venais de faire une saison là avec Tan et Condom. Le retour du one-to-one qui s'est très bien passé, qui se porte d'ailleurs très bien sur YouTube et tout. Après, je vais revenir là-dessus. On fera la saison 2 et ainsi de suite, quoi. Donc, mais jusqu'ici, le one-to-one est là, il se porte super bien. Donc, les relations entre Tania et Fingon sont très bonnes. Tania, c'est mon frère. Ceci ne voudrait pas dire que voilà, on n'a pas de foi, nos différences. Le Quattro du Rire, cette étape de votre carrière. Le Quattro du Rire, c'est cet album-là qui est sorti et que moi, personnellement, je n'ai jamais mangé un radis sur des cassettes qui ont été vendues. C'est vrai qu'à cette époque, je n'avais qu'une seule détermination, une seule envie de me faire connaître et tout. Ouais. Bon, maintenant, le plus important pour moi, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas ceci, mais de quoi en ont profité pour s'enrichir. Bon,
On parle là de qui? Non, je parle du Kwatu du Riz. Ouais. C'est l'ensemble de... C'était un groupe, quoi. Tous les membres de l'équipe ont mangé l'argent, à l'exception de Fingon. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, le plus important pour moi, ce n'était pas l'argent. À cette époque-là. C'est à cette époque-là. Mais d'autant ont profité de la naïveté, de ma naïveté pour pouvoir gagner un peu de sous et tout, parce que il y a ceux-là qui étaient chargés pour la distribution des cassettes et tout, et consorts. Et il faut reconnaître qu'à cette époque, j'étais également très jeune. Hein, et voilà. Bon, je retiens le positif. Hein. Voilà, j'ai eu la chance d'évoluer auprès d'une icône, malheureusement, qui n'est plus là aujourd'hui. Feu Tandandan, père à son âme. Et il y avait également Safaria, quelqu'un à qui je donne beaucoup de respect. Et Tani Kondom et moi. Donc, c'est l'argent qui a séparé le Kwatu du Riz. Non, pas l'argent, pas l'argent. Quand on a perdu notre aîné, celui-là qui était comme notre aîné et tout, c'est vrai que ça nous a un peu démoralisé. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que le Kwatu du Riz, c'est deux albums seulement. Ouais. Premier album où on a dû faire une chanson où on chantait « Kavila, chassé, monsieur, mon boto, la préfite ». Après ça, le deuxième album du Kwatu du Riz, nous on a rendu hommage à Tandandan. Après ça, réellement, on n'a plus jamais fait un album Kwatu du Riz. Et Fingon, les choses marchaient plutôt bien pour toi à cette époque-là, mais tu as décidé d'aller à Mbeng. Je suis allé à Mbeng, c'était pour une nouvelle aventure. Ouais. Et il fallait que je découvre autre chose. Il fallait que je voie comment ça se passe ailleurs. Il était temps pour moi d'expérimenter mon talent sur notre terrain, sur notre territoire. Bon. Comme Dieu sait comment est-ce qu'il fait ces choses, je suis arrivé, je me suis dit, attends, vu la sécurité médicale qu'il y a ici, parce que laissez-moi vous dire une chose, il y a des gens qui vivent en Europe que s'ils étaient en Afrique, ils étaient décédés. Ouais. Il y a des gens qui sont décédés dans ce pays que s'ils étaient en Europe, ils devaient être toujours en vie. Ouais. Ce pays, c'est le seul pays où un artiste ne mérite pas l'évacuation sanitaire. Pour ne pas dire le comédien, c'est déplorable. C'est extrêmement déplorable. Dans ce pays, on prend l'artiste comme du papier hygiénique. C'est extrêmement décourageant. Maintenant, voyons ce que des aînés ont eu comme problème de santé ici. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas créer une base là-bas, hein? Même pour l'avenir de mes enfants. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que je dis voilà. Je vais avoir une base là-bas et les choses sont très bien passées. Je suis curieux de voir aussi l'Europe. Parce que à une certaine époque, chacun venait nous blaser ici, Mbeng, machin, ceci. Donc ça, c'était excitant quoi. Il fallait qu'on découvre. On venait nous tromper avec les faux chocolats, les faux parfums. Chacun venait faire son attaque. Ouais. Maintenant, je me suis dit, mais attends, pourquoi aussi ne pas découvrir? Maintenant, c'est quand je suis arrivé sur place que j'ai réellement compris l'Europe. À la base, j'allais rester. Ouais. J'allais pour l'aventure. Mais l'Europe n'est pas faite pour les artistes. Parce que pour un vrai artiste, une fois que tu t'installes en Europe, l'inspiration part. L'Europe tue les talents. L'Europe tue les talents. Et ça fait à ce que tu perds même ta valeur. Et il y a des Camerounais, le fait qu'ils se trouvent en Europe, et qu'ici, ils ne pouvaient pas vous dire bonjour. Quand ils voient un artiste en Europe, pour eux, c'est l'occasion pour eux de dire n'importe quoi. Vous traitez de tout et de rien et tout. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas un endroit pour un artiste. Il faut y aller pour voir ses enfants, pour voir sa famille, faire quelques tournées, mais rentrer ici. Vous allez voir aucun Congolais leader ne vit en Europe. Ne vit en Europe. Aucun Ivoirien leader n'est basé en Europe. Il n'y a qu'au Cameroun, il n'y a que les artistes camerounais que tu vois verser. Exemple de quelques artistes qui sont versés. Non, non, faut pas aussi les en vouloir. Ouais. C'est notre système. Ouais. À un moment qui les chasse du pays. Mais bien sûr, il y a tout qui décourage ici. Il faut te rendre beaucoup tenu. Ouais. Sérieux. Voilà, maintenant ceux qui ont fait le choix, tant mieux. Mais moi, j'estime que l'Europe n'est pas faite pour les artistes. Alors, Fingon, tu as évolué là-bas avec Junju Kalaba, avec Willy de Paris. Non, je n'ai pas évolué là-bas avec Junju Kalaba, Willy de Paris. Ils sont venus plus tard en Europe et voilà, on a toujours gardé des bonnes relations. Maintenant, chacun dans son coin. Moi, ma base, c'est la Belgique. Kalaba, lui, c'est à Paris. Willy, à une certaine époque, sauf s'il a changé, il était en Italie. Voilà, donc quand on avait l'occasion de se passer un coup de fil,
on s'appelait, voilà. On n'a jamais, moi personnellement, hein, on n'a jamais collaboré sur un projet en Europe. Ouais. Et quel est votre bilan en Europe, aujourd'hui que vous êtes de retour au Cameroun? Satisfaisant. Voir mes enfants grandir, voir mes enfants aller. Fingon voulait voir ses enfants grandir. Non, pas comme l'autre. Donc, voir mes enfants grandir dans de très bonnes conditions. Parce que moi, personnellement, j'ai eu une enfance pas facile, extrêmement difficile. Et voilà pourquoi je me bats au quotidien pour que mes enfants ne vivent pas cela. Quoi. Voilà. Quelqu'un comme moi, j'étais à deux doigts de faire le Brook Inter. C'est-à-dire, tu sais ce que veut dire le Brook Inter? Non. Tu dors, je casse la porte, je suis toujours au lit. Donc, à cause de la misère, à cause de la misère et tout ça, Dieu m'a épargné de ça et je ne voudrais pas que mes enfants vivent ça, quoi. Et maintenant, je leur donne tout ce que je n'ai pas pu avoir à ce qu'ils deviennent des vrais hommes de main. Donc, c'est impossible. Fingon est de retour au Cameroun avec de nombreux projets, parmi lesquels Histoire de famille, Tour de ville et d'autres projets sur lesquels il travaille. Alors, dans ces différentes séries là, si on peut les appeler comme ça, ou web séries, on voit l'apparition des humoristes tels que Mota Penda, des comédiens Mota Penda, Neke Tue, Choco Croc, tous ces personnages là. Le casting s'est fait comment? Ouais, Macris, Blackoya, ouais, voilà, Chantaco, ils sont tellement nombreux. Ben, il faut savoir que c'est une famille, en effet, que j'ai dû mettre sur pied. Ouais. Avant mon arrivée au Cameroun, je m'étais arrangé à faire un casting à distance. C'est-à-dire, j'ai mon chef d'état-major qui est sur place, qui n'est autre que l'amiral Toulé, déjà à qui je dis... Donc, le retour était préparé. C'était préparé. Rien n'était au hasard. Alors, j'avais dit à Toulé, je veux des très bons acteurs en état brut, ouais, qui n'ont jamais tourné. Des très bonnes actrices en état brut qui n'ont jamais tourné, parce que vous savez, ce métier est trop compliqué. Il y a d'aucune que par les gars ont fait des vidéos avec les téléphones et que les voisins ont remarqué, tout de suite se prend la tête. Ouais, je suis star. Voilà, je suis star. Alors que même starlette, elle n'est pas. Oui. Et je ne voulais pas, je n'avais pas voulu ce genre de personne sur mon plateau. Donc je voulais prendre des personnes que je vais façonner, je vais fabriquer. Et que ensemble nous puissions mettre sur pied une famille de comédiens. Ouais. Et comme il fallait également que je m'adapte à la nouvelle génération et tout. Moi, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire et que les choses sont très bien passées. Alors, Fingon, on a remarqué la sortie de l'un de vos épisodes tout récemment. Ouais. Et on a une partie de cet épisode-là qui a été utilisée par Steve Fa pour ses Minutes du Peuple. Ouais. On a vu une réaction où Fingon Tralala demandait à Steve Fa d'avoir l'autorisation avant d'utiliser ses vidéos. Non, jamais. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Vous savez, j'ai quelqu'un qui s'occupe uniquement de mes pages. Ben, et je lui avais toujours dit, avant de faire n'importe quoi, tiens-moi au courant, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Avant d'agir, informe-moi. Donc, il s'est précipité, aller faire un message à Steve Fa, comme c'était moi, puisqu'il est administrateur. Ouais, donc ça affiche, hein? Fingon Tralala. Ça affiche Fingon Tralala et tout. Mais ne sachant pas la relation qu'il y a entre Steve Fa et moi. Ouais. C'est mon petit... qui a toujours été là quand j'ai besoin de lui. Donc j'avais très mal pris la chose. J'ai même renvoyé ce petit qui avait dû commettre cela. À cause de cette erreur-là. Oui, parce que avant ça, il en a fait d'autres erreurs que j'ai pardonnées. Donc là, c'était la totale, quoi. Dans quelques instants seulement, la suite de notre entretien. Mais avant, permettez-moi de vous parler des laboratoires Salim. Le docteur Salim est un médecin traditionnel qui traite toutes les maladies à base de plantes naturelles. Si vous avez des problèmes d'accouchement, de faiblesse sexuelle, d'hypertension, de prostate, chlamydia, diabète, fibrome, myome, hépatite ABC, épilepsie et d'autres maladies, contactez les laboratoires Salim situés à Village, à quelques mètres de l'entrée B. Contact 678 64 31 72 et 698 32 45 36. Avec les laboratoires Salim, votre santé est en santé. J'ai aussi envie de vous parler d'une marque de vêtements ce soir, une marque de vêtements assez spéciale. Il s'agit de Shrimp Boy. Shrimp Boy est une entreprise de streetwear très originale qui fait dans la création de marques et vente de vêtements. On parle là des t-shirts, polos, chapeaux, sweatshirts, pullover à capuche et même les cache-nez. Retrouvez-nous sur nos plateformes Facebook Shrimp Boy, Instagram Shrimp Boy World et contactez-nous au 681 16 60 09.
Désormais, s'habiller n'est plus un souci. Shoomboy can't be broken. Après cet arrêt, retrouvons notre invité pour la suite de l'interview. Fingon, toi qui travailles avec la nouvelle génération, on a dans tes différents sketchs, Mota Penda et tout ce tralala d'artiste-là. Tralala, c'est lui déjà. J'ai envie de savoir quel est ton point de vue par rapport à cette nouvelle génération. Je suis satisfait de mon boulot parce qu'il faut savoir que tout est orchestré par moi. Voilà, rien n'est fait au hasard. Tout est préparé par moi. Vous savez, aujourd'hui, l'humour n'est plus seulement se placer la parler. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de plusieurs choses. Le gestuel doit suivre la parole. Et tout doit être à la lettre. Et je crois que c'est ce boulot que j'aborde au quotidien. Et tous se mettent à fond pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le résultat n'est peut-être comme vous le constatez. Et dans cette nouvelle génération d'humoristes comédiens, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui attirent particulièrement ton attention? Tous. S'ils sont là, c'est parce que tous méritent d'être là. Ouais. Alors, Fingon Tralala, on t'a vu quelques fois sur les stades de football, que ce soit du côté de Bilongue, à Bonamou Sadi, dans plein d'autres stades. Tu es footballeur? Dans mon enfance, j'ai beaucoup joué au foot. Ouais. Et je m'étais fait attribuer beaucoup de noms, JJ Okocha, George Weah, voilà donc Dieu m'a donné la grâce de que tout ce que j'essaie de faire, j'essaie d'être, je suis meilleur quoi. Ouais. Voilà, c'est à deux doigts que j'ai raté être footballeur. En Europe, je me suis rendu compte que des humoristes, c'est des personnes qu'on respecte énormément. Ouais. Des humoristes, ce sont ceux-là qui ont des émissions, qui ont des plus fortes audimats, que ce soit à Paris, que ce soit en Belgique, que ce soit partout, en Espagne et consorts. Mais vous vous rendez compte qu'un humoriste en Europe est comme un chef d'État en Afrique. Ça, je vous le dis. Pas quand je vois la manière que certaines chaînes de radio utilisent des humoristes pour des prix de cacahuètes, parce qu'ils se disent que ceux-là sont naïfs, on peut les exploiter à fond. Ceci, c'est à tort. Et c'est déplorable pour notre pays. Il n'y a que dans ce pays qu'on a clochatisé l'humoriste. Il m'est arrivé de vivre des scènes où d'aucuns même respectent certains derniers musiciens, que certaines grosses têtes de l'humour. Ouais. C'est-à-dire, quand ils voient certains derniers musiciens, ils ont même peur de demander une photo. Mais une grosse tête de l'humour, pour lui, c'est comme on si... On peut l'appeler à 23h. On peut l'appeler à 23h, machin, ceci. C'est des choses qui doivent s'arrêter. Et tellement que ce métier est marginalisé dans notre pays que d'autres s'oublient, se trouvent dans l'obligation d'aller s'incrustrer même dans des fêtes. Des fois, on dit, voici pour vous. Maurice vient là, même le mari est étonné. Que, mais chérie, c'est toi qui l'as invité, demande sa femme. Ouais. Sa femme dit, moi, je crois que c'est toi qui l'as invité. Parce qu'ils sont dans la muse tous les week-ends, ils ont comme des mauvais esprits. Partout où il y a la musique, ils veulent s'infiltrer. La patrouille. La patrouille. Et c'est déplorable, quoi. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait que des chaînes de télé privées qui travaillent avec certains humoristes, qui le payent normalement. Ouais. Pareil pour des chaînes de radio. Voilà pourquoi, quand je suis arrivé, j'ai dû appeler quelques de mes frères qui sont sur place. Je leur ai dit, mettons une association sur place pour valoriser l'humoriste. On a donc dû mettre cette association sur pied qui est appelée ACOMU. Voilà, déjà, le 2, il y a un grand match de gala qui est organisé où beaucoup de footballeurs de l'équipe nationale ont accepté d'y participer, tels que Benjamin Mokanjo, Nicolas Nkoulou. Bon, Nkoulou, c'est pas très sûr parce qu'il a encore plein championnat. Voilà, David Eto'o, Jarzoa. Voilà, donc jusqu'ici, pour ne citer que ceux-là. Donc, il faudrait que un jour ou l'autre, les choses changent. Quand je vois un gars comme Jamel, il ne vaut pas, il n'a pas le talent de beaucoup d'humoristes dans ce pays. Ouais. Mais quand il faut voir ce que ce monsieur a, c'est... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà, on part pour la dernière partie de ce programme, Mr. Fingon. On va jouer à un jeu. J'ai des questions de 1 jusqu'à 20. Donc, vous choisissez des nombres au hasard et je vous pose les questions qui affaire à ces nombres-là. Ouais. Donc, on va commencer. C'est 5 questions. Ouais. Et vous avez droit à un joker. Ok. 8. Alors 8, Fingon Tralala est-il amoureux d'une joka? Sorti la nuit bien avant, oui, mais plus maintenant. Je sacrifie. Moi, je travaille énormément déjà. Ouais. Et le peu de temps que j'ai, j'essaie de me reposer et récupérer au mars.
Bien vrai qu'il m'arrive de temps à autre de sortir prendre un verre avec mon équipe ou avec des amis. Question de changer un peu, mais le Njokano joue, ce n'est plus trop ma... C'est plus l'affaire de vie. Non, non, non. Ok, on part pour une autre question. 6. On prend 6, le plus beau cadeau que Fingon a fait à madame. En effet, le plus beau cadeau que j'ai offert à une femme dans ma vie, c'était à ma mère. Parce que c'est elle qui m'a mise au monde et elle m'a presque élevé seule. Moi, j'avais promis à ma mère, voilà, d'offrir une voiture. Pour moi, ce n'est pas un cadeau, c'est éphémère. Une maison, c'est éphémère. Je vais t'immortaliser. Je ferai à ce que de génération en génération, qu'on connaisse celle-là qui a dû mettre au monde l'homme que je suis. Alors, j'ai dû faire un court-métrage avec elle, intitulé Le Gigolo, ouais, qui a fait un carton plein et que jusqu'ici, on ne fait que me parler de ça et tout. Son image reste, cette image restera des années en années. On saura que voilà la femme qui avait dû mettre au monde Fingon Tralala. Et malheureusement, elle nous a quittés, mais c'est comme si elle était toujours là. Et je crois que c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui offrir. Ok, on part pour la troisième question, Fingon. Ben, deux. L'événement le plus triste de la vie de Fingon Tralala. L'événement le plus triste de la vie de Fingon Tralala, c'est... Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, j'ai été à des spectacles où tu es sur scène, le promoteur a fui. Non, oui. Il n'y a pas eu. Donc, le promoteur a dû prendre l'argent dans une tontine, ouais, qu'il faut rembourser. Les promoteurs, en effet, des apprentis promoteurs, ouais, qui t'invitent comme ça, voilà. Tu fais confiance, ils te rassurent que non, tu ne te gênes pas, je suis un enfant, parce qu'ils ont toujours la phrase, je suis un enfant. Donc, tu descends sur scène, là, ton argent t'attend. Tu descends. Tu le cherches, tu ne le vois pas. Maintenant, déjà que les gens qui t'escortaient pour la scène, tu ne vois plus personne. Ouais. Tu remarques même une hôtesse. Tu dis, mais où est la fille ou bien le gars avec qui nous on a mangé? Il dit, c'était pas moi. Donc, tu te trouves en train d'être ta sécurité toi-même, l'artiste toi-même, ton driver, ouais, hein, et tout. Donc, il y a des promoteurs, en effet, qui te respectent quand tu n'as pas encore presté. Ouais. Une fois que tu sois monté sur scène, ah ben, basta. Basta. Et il y a également ce phénomène qui me met tellement mal dans ce pays que des annonceurs ne savent pas accompagner des humoristes. Des annonceurs ne savent pas sortir le même argent qu'ils sortent pour des artistes d'ailleurs ou pour certains musiciens, pour des humoristes. J'en connais des musiciens carrément qu'on donne 1 million, 2 millions, qui viennent faire le playback, deux chansons playback. Mais pour que celui à qui on a donné 2 millions vienne, on dit non, je suis un comédien, il vient animer les gens, ma chaîne, en attendant. Il faut même dire Dieu merci qu'on te propose 200 000. Hein? Voilà pourquoi je vous dis ici, le vélo tire le train. C'est un pays où tout est décalé, rien n'est à sa place. Mais je prie et je souhaite qu'un jour ou l'autre, que des choses changent dans ce pays. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de ce métier, mais qui ont des concepts des humoristes, utilisent des humoristes, gagnent l'argent derrière de des humoristes, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que l'humour. Hein? C'est différent parce qu'il y a certains humoristes qui adhèrent, qui acceptent, qui valident. Mais non, cela ne devrait pas être possible. On devrait préserver la musique camerounaise. Ouais. On devrait veiller à ça. Vous allez au Nigeria, on consomme la musique nigérienne. Vous allez au Congo, c'est la même chose. Vous allez en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'au Cameroun que c'est la banane malaxée. C'est-à-dire, c'est même parfois quand on veut chasser les gens que vous allez écouter. L'homme, c'est longtemps que Coco a janté, ou le dit pour ceci. Mais vous entrez dans des snacks aujourd'hui, pendant 4-5 heures, on vous amène au Nigeria, après on vous amène au Ghana, après on vous amène chez les Américains. Après, à peine on balance la musique camerounaise. Tout ceci devrait s'arrêter. Ouais. Sérieux. Alors, on part pour la quatrième question finalement. Quatrième question. Neuvième. On part pour 9. Coco ou Nathalie? Je préfère les deux. Elles font la fierté de la femme camerounaise. Oui, elles font la fierté. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai pu entendre que les deux là ne s'entendent pas et tout. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Vous savez, aujourd'hui, l'amour, c'est comme le sommeil.
faut éviter de vivre avec la haine. Il y a tellement de la place pour tout le monde qu'on n'a pas besoin de se discuter, se tirailler. Ces deux belles femmes feront mieux de s'entendre pour valoriser la femme camerounaise. Sincèrement, donc je préfère les deux. On va sortir avec une dernière question, Mr. Fino. Ouais. Une dernière, vous choisissez. Ben non, je te laisse libre choix. Je vais déjà lire d'abord. L'artiste qui énerve le plus, là c'est la 4. L'artiste qui énerve le plus, Fingon. L'artiste qui m'énerve le plus. Oui. Que ce soit dans l'humour, la comédie, la musique, dans tous les domaines artistiques. Qui m'énerve le plus. Ouais. Il y a les Nangaboko. Il y a certains Nangaboko. Oui. Ouais, c'est des artistes. Grand feignant, rien. Tu gardes ta voiture. Tu t'as dit, ces gars-là, où ils ont que la carte, où ils ont seulement un GPS. Ce qui me gêne en effet, c'est quoi? Ce n'est pas le fait qu'ils font ce métier. Ouais. Mais c'est le fait que tu donnes, après 3 ans, tu viens retrouver le même gars au même endroit, qui a tous ses membres, qui a tous ses jambes, qui est toujours en train de faire comme au départ. On peut faire dans un métier parce qu'on cherche un capital, ouais. parce qu'on vise loin. On a une vision. À un moment donné, c'est fatigant que tu viennes à un endroit pendant 10 ans. Tu vois le même gars qui a le même CD, le même système. Oh, grand, avant toi, c'est toi, après toi, c'est toi. Tu as dit, c'est fatigant. C'est souvent les artistes qui m'énervent le plus. Parce que pour faire notre métier-là, il faut être un artiste. Il faut être un artiste. C'est des grands artistes. Oui. Donc, voilà les artistes qui m'aiment le plus. Merci Fingon d'être passé par ici. Ouais, on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Je suis toujours là. Ouais. Ladies and gentlemen, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine émission de On Air. D'ici à là, portez-vous bien. Namadi Ngoku, Diostam. Ciao.